L'État haïtien montre à clair, il n'y a pas qu'à assurer la fonction régalienne ni qui se garantit la sécurité et puis défendre le territoire national. Là. Ça qui la cause, droit à la vie, droit pour moun jouer une sécurité qui garantit dans chaque international droit moun à la Constitution 1987, là, pas suspendre violer sur le territoire. Je nous connais depuis 3 mois, la population qui a fait là, était obligée de courir à cause d'attaque bandit armé qui était fait sur yo, était obligé à vivre dans le camp. Mais quand travail pour monitorer la violation de droits humains dans le pays, le collectif Défenseur Plus a fourni des situations déplacées à Kafoufei qui dans l'école nationale Colbert Loucha. Défenseur Plus constate la situation de Mounio, en particulier la situation de femmes actives, vraiment difficile. Conditions d'hygiène sont critiques. Insécurité alimentaire, c'est tête chargée. Mounio n'a pas qu'à manger, n'a pas accès à l'eau, soins de santé. Ça yo comblé ak moun yon sel sal genye entre 20 à 40 moun les la pi tombe même yo pas accessible. Ça qui montre à clair c'est violation totale capital droit logement droit pour moun jwenn la manjay soins santé ak promotion la vie. D'après témoignage nous jwenn gen pile moun qui rive trapper infection ak l'autre maladie qui marche à mauvais conditions d'hygiène. Situation femme yo pi grave toujours parce que mette sous problème nous cité là yo. Il y a connait de violence qui est spécifique à condition yo. En pile nan yo senti yo nan insécurité psychologique parce que yo peur pour pas subir agression sexuelle ak agression physique parce que y a dormi même côté ak garçon pile sous pile. Malgré nous connait gen solidarité entre moun ki an dan kan yo. Yo senti intimité yo violé tant kou les a bien garçon profiter, garder corps yo faire mauvais commentaires qui dénigrer yo. Fait violence verbale qui compte mener dans agression physique. Selon témoignage, yo même recensé cas violent dans Kassaro, sans nous pas connaître qui suivi qui fait par rapport à moun sa qui victime. Devant situation malouk sa, Défenseur Plus mande l'État haïtien respecter les outils juridiques national et international qui protéger dignité moun. Déplacer yo deux jeunes bon gens accompagnement qui collé à intégrité yo à dignité yo comme moun. L'État doit protéger la population, en particulier les femmes actives, contre toute forme de violence. J'en ai écrit dans la déclaration sur l'élimination de la violence contre les femmes actives et puis la convention sur le droit de l'homme. Mais le calendrier collectif Défenseur Plus gagné pour ce jour d'activisme à Nessa. Dans la date 25 novembre, nous avons publié un texte qui garde la journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes. 25 novembre 2023, renforcement de la société civile. Réalisation de séances de formation pour les femmes membres d'organisations de femmes dans le département du centre. Du 25 novembre au 7 décembre, nous avons une tournée médiatique qui a fait dans pile média dans l'ouest avec le département centre. Sorti 25 novembre pour le 10 décembre, nous avons une sensibilisation contre toute forme et violence qui a fait sous femmes. Et bien dans ce sens, nous avons une pile affiche avec spot dans l'ouest avec département centre. Du 1er au 3 décembre 2023, renforcement de la société civile. Nous avons réalisé 3 journées de formation pour journalistes responsables dans la commune, projet, cafette et violence politique fondée sur le genre. Activité à fait dans le département du centre. 1er décembre 2023, nous avons pris une projection cinématographique cafette dans l'école, surtout pour élèves NS4 dans le département de l'Ouest. 3 décembre 2023, nous avons une note de presse qui a réalisé sur femmes qui victimes qui en situation de handicap. 1er au 10 décembre 2023, renforcement de la société civile. Nous avons réalisé un atelier de travail avec l'organisation communautaire, parti politique, sur participation femmes avec et qui a subi violence sous genre, qui a fait dans le département centre. 6 décembre 2023, nous avons gagné un état des lieux, c'est un contexte sous situation de violence qui fait sous femmes depuis 1991 jusqu'à journée aujourd'hui. 8 décembre 2023, nous avons gagné une conférence de presse et nous avons présenté un rapport sur la situation de femmes qui sont victimes de violence dans le parc industriel Sonapi. 8 décembre 2023, c'est activité de clôture. Nous avons gagné une journée pour l'ouvrir. Au niveau Défenseur Plus, nous saluons. Rapport et unité de lutte contre la corruption publié et qui fait des allégations et qui demande la justice fait suivi sur ça. Nous avons dit des bagages. Nous pensons que c'est un gros pas, travail ça,
Mais en même temps, tout nous avons aimé, comme nous qui nous doit nous rappeler, question ça, c'est l'allégation yoye, même les gagnants des indices qui sont capables de permettre la justice et faire travailler. Et c'est pour ça, il ne sait pas qu'il y a un mandat, même pour arrêter les gens, les transférer de ces salaires à la justice. Ça veut dire, en attendant un tribunal prononcé, gagner ce qu'on appelle la présomption d'innocence. Et sous base ça, nous avons souhaité les gens qui concernent eux, collaborer avec la justice pour limiter capable de faire sous diverses allégations. Et les gens qui ne sont pas concernés pour la justice capable de libérer des allégations. Et il faut nous dire que ça doit servir comme une sorte de, d'alerte tout pour l'autre monde qui est en fonction publique, l'autre monde qui occupe l'autre fonction de l'État, ou bien qui a géré bien public, maigri sous l'État, pour qu'on connaît bien l'État, c'est bien papa avec maman, ou bien c'est bien grand avec grand-papa. Pour qu'on connaît bien l'État, c'est bien nous tous. Ils doivent faire une bonne gestion, une gestion responsable, qui vous permettre l'État de faire une ressource pour réaliser le droit au monde, droit à l'éducation, droit au logement, droit à la santé, droit au loisir pour tout le monde, droit pour le monde, si qu'il est libre, pour payer la police bien.